On va passer à la Binex League, avec là aussi ces rencontres transfrontalières qui nous passionnent. Il y avait sur nos antennes un match entre Landstede et Malines, comptant pour l'Elite Gold. Landstede et Malines. Savez-vous où se trouve Landstede? Vous allez me le dire exactement. Zwolle, c'est à 80 km d'Amsterdam et un déplacement qui a souri aux Malinois. Deuxième succès de rang pour Malines dans cette Elite Gold. Victoire 56-70 et nouvelle démonstration des hommes de Christophe Michiels avec notamment 12 points pour Mukubu, 10 points pour Cheese Alston et 17 points pour l'homme du match du côté de Malines, Domien Loubry. Malines qui continue sur sa lancée, hein. Elle a été très très intéressante dans la première moitié du championnat et elle continue dans cette deuxième phase transfrontalière. Pourquoi pas aller jusqu'au bout, même si ça va être compliqué d'aller titiller le grand Ostende. Mais on peut préciser que Ostende s'est imposé du côté de Feyenoord, 69-72. Et puis on a assisté aussi à la défaite de Louvain du côté de Leiden, 95-66. Si bien qu'au classement, bien on a actuellement Ostende, Leiden, Den Bosch, Malines, et puis on retrouve Mons en cinquième position. Et on peut préciser que dans l'autre compétition, l'Elite Silver, c'est un club belge qui est actuellement en tête avec le Spirou Charleroi. Voilà pour ces résultats intéressants. Mais on voit que du côté néerlandais, eh bien, on prend tout doucement un petit peu plus de confiance parce qu'au départ, on assistait vraiment à des victoires belges et exclusivement belges. Et il y aura un beau Malines-Den Bosch justement lors de la prochaine journée.